C'est pour ça que je... pour mon maman. Un, deux, trois. Action. Salut, fin du compte, ma femme m'a convaincu de filmer un haul pour vous de Sacha qu'on avait fait effectuer la dernière fois qu'on avait sorti ensemble. Fait que bah, je vais commencer en vous montrant ce qu'on avait acheté. Premièrement, j'ai décidé d'acheter ça, une casquette. Que j'aime beaucoup les casquettes. J'aime beaucoup les casquettes, sûrement. La marque Oakley. On l'a acheté à... Où est-ce qu'on l'a acheté? À Marshalls. On l'a acheté à Marshalls. Marshalls. C'est peut-être 15 piastres. Il est là. Mais une casquette régulière. Neutre, gris. Mais je l'aimais. Fait que, on l'a pris. Bon, on va continuer. On a acheté ce chandail. C'est sportif. Ça a l'air simple, mais le tissu est vraiment doux. Sans manches. Il y en a un capuchon. En tout cas, pour faire l'exercice, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est la première fois, je pense, qu'on achète un de cet style. Ça n'a pas coûté beaucoup. Étant donné la marque et les modèles, les styles, c'est ce que je veux dire. Ça coûtait 30$ et on l'a acheté aussi à Marshall, ça, c'est bien ça? Oui. Mais je pense que oui. Oui. Mais vraiment, vraiment doux. Il y en a comme deux poches ici. Il y en a deux ici qui ça rentre. Il y en a même une petite poche ici pour rentrer comme de l'argent ou quelque chose. C'est bon! C'est quoi? Ben, ça, c'est un pantalon sportif, mais je l'ai acheté plutôt pour le travail. C'est sûr, je vais en acheter un autre parce que j'aime ça être confortable quand je travaille. Fait que celui-là, c'était juste un pantalon sportif, tout simple, avec des poches de zipper à côté, dans les côtés, avec des... Comment est-ce qu'on dit? Ben, non, pas un élastique, mais... Ouais, avec un élastique. Comme un petit élastique. Celle-là, ça coûtait 20$. Je pense qu'elle avait acheté aussi à Marshall, celui-là aussi. On va continuer. Ça, un chandail pour faire exercice encore ou pour être tout régulier. Pour le travail, peu importe. Je l'ai juste acheté comme ça. Même chose à Marshall, de la marque, je pense, Reebok. Oui. Reebok, oui, c'est ça. Ce qui dit « you don't know squat hein. », tu ne peux pas faire des squats. C'est ça que ça veut dire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas faire des squats. Squatter. Des squats. Ouais. C'est ça. Celui-là, je me rappelle pas là. C'est de la marque Jack Jones. Ça c'est small, ma grandeur. C'est un chandail régulier pour l'été. Je l'ai porté, je l'ai essayé, puis je l'ai aimé. En gris. En gris en plus, celui-là coûtait 25$. Quelque chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Non, je pense pas qu'il a coûté 25$. Je pense qu'il a coûté comme 15$, 10$, mais en tout cas, j'ai pas la facture avec moi. Ouais, ici, à l'entour de ça. À l'entour de ça, 15-10$. C'était pas coûté beaucoup. Celui-là, on l'a acheté aussi, la même chose. Jack Jones. J'aime beaucoup les blancs. Bon. Avec une petite poche ici, il est vraiment beau. La petite poche ici en avant, en arrière tout simple, encore une fois small. Je pense qu'il a coûté la même chose, 10$, 15$. Il était un peu plus cher, je pense, non? 10-15$, c'était 15. Plus cher, je pense. Ouais, je me rappelle pas, exactement. Celui-là, on l'a acheté dans le même magasin. Oui, le même magasin, oui. Ah, par contre, celui-là, c'est pas extra, extra small, c'est large, je comprends maintenant. Pourquoi? Bon, en tout cas, je l'aimais, c'est un chandail à manches longues. C'est un chandail à manches longues, comme celui-ci que je porte. Mais le tissu, elle est vraiment bon. Il est vraiment, qu'on dirait, oui, un souple, non? Ouais, très souple. Très souple. Très mince. Très mince, très léger pour l'été. Ça va bien aller parce que moi, j'aime pas beaucoup le soleil, en tout cas. Je porte toujours des manches. Ben, la plupart du temps, des manches longues, sinon je mets du protecteur soleil. Fait que c'est ça. Celui-là, c'est large. Je pensais que c'était extra, extra small, mais bon, je me suis trompé, mais quand même, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est
Oui, c'est un petit peu plus lourd, ouais, là, mais c'est beaucoup trop, trop ça fait bien. Celui-là, c'était 15 piastres, je me rappelle celui-là. Ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Très, très puis bien. Le magasin, tu te souviens le nom du magasin? C'est comme un genre d'entrepôt, ouais, avec plein de marques. Oui, je ne me rappelle pas le nom du magasin, c'est à côté de ma chaise, vraiment. Mais je ne me rappelle pas le nom du magasin, en fait. Et les pantalons? On va poursuivre avec les pantalons. Depuis longtemps, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter celui-là. Ben, c'est couleur, c'est ce que je veux dire. En couleur comme beige. Pour plus, c'est plus pour l'été ou maintenant. Les jambes, en bas, c'est comme est-ce qu'on dit le style serré? Coupé. Droite? Non, pas droite. Je pense que c'est mais coupé c'est parce que c'est vraiment serré. Ben, non. Je sais pas. C'est pas gris. Mais c'est plus droit, comme stretch, ou... comme ce qu'on dit, non, pas stretch, comme. Bon, chaud. Plus classique. Regular fit, c'est ça qui est écrit, mais. Moi je l'aime parce que c'est pas vraiment trop ouvert en bas. Les jambes, c'est un peu collé, mais je l'ai beaucoup aimé, beige. La taille, c'est. Oui, la taille, hein, c'est 32, ben je suis 32. Je pourrais être à l'aise, mais. C'est ça. Sa beauté, celui-là, combien sa beauté chacun des pantalons? 40 dollars? Oui, 40-45 dollars, ça coûtait celui-là. Je l'aime beaucoup. Celui de Jack Jones, ben en fait, les pantalons de Jack Jones, je l'aime beaucoup, la plupart du temps. Ce sont tes préférés. Oui, ce sont mes préférés, en fait. Celui-là, c'est à peu près le même style. À peu près le même style, sauf qu'il est en vert. Celui-là, c'est qu'il y en a une différence, qu'il y en a un élastique en bas, ici, comme celui-là. Par contre, celui-là, c'est 30. Je l'ai essayé, je pensais que ça n'allait pas me faire parce que c'est 30, mais compte tenu que c'est, comme on dirait, que c'est ben, pas jogging, mais quand même, stretch. C'est stretch. C'est vraiment confortable, je l'ai essayé, puis ça vient aller. Fait que c'est ça, c'est celui-là, en fait. Tout simple, mais je l'ai aimé beaucoup. Un autre pantalon pour l'été aussi. Quoi d'autre? T'es allé chez Nike? Oui, on est allé. Ben, pendant que ma femme était allée chez MRPC, moi je suis allé au Nike, comme vous avez vu dans les derniers blocs. J'ai acheté des chandails pour faire l'exercice. D'accord? Ou pour tous les jours. C'est un chandail régulier. Un t-shirt. T-shirt, excuse-moi. Régulier. Nike. Gris. Et small. Encore une fois. Et celui-là parce que j'aime beaucoup le rouge. La même chose, t-shirt régulier, juste pour le porter tous les jours en faisant d'exercice ou travail. Small. Ouais. Celui-là aussi. Quel prix tu les as achetés? Ah, celui-là c'était. Oui, celui-là c'était à 15 piastres chacun. Deux pour ouais, c'est ça. 15 piastres chacun. Ouais. Et la dernière chose que j'avais pris, ce sont des souliers. Pas pour faire l'exercice parce que les mains sont déjà presque finies en bas. Ce sont ces modèles que j'ai acheté pour faire l'exercice. Nike, de la marque Nike, la même chose. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai essayé d'autres couleurs, mais j'étais plus. On a parlé avec ma femme, j'étais plus convaincu avec les noirs. Noir et blanc, c'est un peu plus, on va dire, classique, plus neutre. Les couleurs, ça match avec tout. Ben, que, ils sont beaux. Hein. Oui, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est pour faire l'exercice. En fait, c'est quel numéro? C'est 9, je pense. Oui, 9. Américain. Oui, c'est ça. Ils sont beaux. Oui. Ils ont l'air confortables. Oui. Combien est-ce que celui-là, c'est un tout petit? Oui, j'ai pris 60 dollars. Oui. Mais c'était un bon prix. So, oui, 60 dollars. Il était prix régulier 100 dollars, mais il y en avait un rabais à 60 dollars. Ouais, c'est quand même Nike entrepôt, mais c'était vraiment beau, moi je l'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'on a tout, on a fait tous les tours. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'est ma femme qui va les modifier un peu, c'est pas moi, mais quand même. J'espère que ça vous a plu. C'est ton premier haul? Oui, mon premier haul. Ça se pourrait que quand on achète des autres choses, on va faire une autre. Si c'est des petites choses, un mini haul. J'espère que ça vous a plu et ben, n'hésitez pas à commenter si y en a quelque chose que vous aimez ou que vous n'avez pas aimé, un peu moins, de liker la vidéo et on va se voir dans la prochaine vidéo avec ma femme, c'est sûr.
Bye.